www.maurice-info.mu. Devant cette montée de violence dans nos sociétés. Ces derniers jours, nous témoignons de cas atroces de meurtre. Et sa dérapage social est sanglant et très inquiétant. Il montrait qu'une société très très malade. Alors nous faisons une conférence de presse en quatre volets. D'abord la violence, donc on passe la parole premièrement à Jessica Dumont pour la violence. Madame la camarade de la presse, bonjour. Nous, la commission des femmes de MMM, qui adresse la presse ce matin, l'ONG, qui fait toujours tenir nous à cœur. La violence contre la madame. Quand nous dire, madame, les capables ou grand-mère, ou maman, ou soeur, soit ou femme, nous tenir à dire haut et fort nos indignations devant la montée de violence contre la madame, alors qu'il y a un département spécifique pour mettre en place la mesure afin de combattre la violence contre la femme qui tombe sous la responsabilité de madame la ministre Martin. À la lecture de mon rapport qui fait produire sur le gender base, violence, violence, la presse, l'étude au niveau international, nous constatons qu'il y en a 25% de nouvelles madames qui font une expérience d'une forme de violence, que ce soit physique, verbal, harcèlement, humiliation, abus, maltraitance, irresponsabilité, menace au cours de la vie. Un facteur relatif à sa forme de violence à Maurice, inclut l'alcool, la drogue, pouvoir, moi les hommes, moi qui marie, relations extra-conjugales et problèmes financiers. Et nous apprenons aussi qu'il y a un de 25 femmes mauriciennes subissent une forme de violence. Seulement 3% de ces femmes cas-là qui rapportaient à la police. Et nous ne pouvons pas dire qu'il y a 25% qui nous peut dire qui qui expérience une forme de violence dans toute la vie là, le chiffre est bien plus faux que ça. 2% seulement qui gagnent la couverture médiatique. Et dire bien qu'il y a une forme de violence là, parce que dans la famille, et comme on tout connaît la famille, c'est un premier endroit que nous socialisons nos bons enfants et que nous sommes capables de dire que nous reproduisons la société de demain. Nous finons aussi constater qu'il finit une montée de violence de 2009 jusqu'à présent, c'est-à-dire le 11 février 2014. D'ailleurs, hier même, nous finissons découvrir encore un cas qui finit arrivé à Pleine-Marion, toujours à l'Homme Blanche. Et là, on peut faire un tir rétrospectif de tout ce qui nous finit trouver et de la façon que nous, commission des femmes, nous finissons aborder sa bonne carte qui nous finit tendre à chaque fois qu'il finit dans l'île. En 2009, le défi Sunday News qui indique un chiffre de 745 cas de violence physique et 815 cas de violence verbale, abus, harcèlement, humiliation et maltraitance pour l'année 2009. Et d'après un statement du commissionnaire de police, il dit dire qu'il y a 82 femmes qui perdent la vie sous la violence domestique dans sa même époque. Ce n'est qu'en 2012 que Madame la ministre vient annoncer qu'il fait travail de Domestic Violence Information System, DOVIS, pour avancer par une stratégie pour combattre la violence et que la ministre vient aussi confirmer un an après que le défi vient déjà mentionné combien d'ampleur il prend, il vient confirmer qu'en 2008, il y a 1365 cas enregistrés et en 2009, 1591 cas enregistrés. En 2010, nous découvrons aussi qu'il y a 1799 cas. En 2011, il y a 1752 cas rapportés. En 2012, environ 1760 cas rapportés. Entre janvier et septembre 2013 seulement, entre janvier et septembre, il y a 1376 cas rapportés.
Laisse-moi aussi dire que depuis 19 août 2010 jusqu'à présent, la commission des femmes du MMM fait tirer la sonnette d'alarme pour que la ministre engage sérieusement dans le combat contre la violence contre les femmes qui certainement portent atteinte à leurs droits humains et leur dignité. Laisse-moi réitérer un petit coup tout ce qui nous vient dire depuis le 19 août 2010 face à sa montée dramatique de violence dans le pays. Nous t'y réclamons un siège national et l'introduction des cours de civisme et de citizenship dans les écoles et également la présence d'un conseiller, de counselor dans chaque établissement scolaire pour pallier au manque de psychologues. En juin 2011, nous t'y demandons aux autorités de se ressaisir et assumer cette responsabilité quand la population qui est traumatisée et vit dans la peur. Nous t'y aussi demandons au gouvernement de prendre en considération la proposition que la commission MMM fait faire. Les bons aussi rappeler que Mme Labette fait tirer la sonnette d'alarme lors de la situation du shelter et qui fait aussi un projet non réalisé tel que le Child Protection Register, Abuser Rehabilitation Program, Victim Empowerment et Children's Bill. Et tu as aussi ajouté un groupe de travail du Conseil des droits humains sur l'Universal Periodic Review à Genève, qui est dans quelques semaines, une demande à Maurice de finaliser ce Children's Bill pour harmoniser la législation avec la Convention des droits des enfants. La Commission des femmes devant un incident impliquant les enfants et adolescents, là aussi, tu fais une demande à un siège national. En 2012, encore une fois, la Commission des femmes exprime sa vive inquiétude à l'ampleur de la violence dans le pays et qui demande là aussi qu'il va l'autorité devant ce problème-là, prend une politique qui pourra saigner à la situation. Madame Navarre lui-même, qui a plus loin, dit qu'il y a trop de violence, et il y a un mal-être, un mal-vivre dans la société et qui demande au gouvernement de déclarer la guerre à la violence et que ça vienne être une priorité. De conférence 2013, la Commission des femmes qui retire encore une fois à la ministre Martin qui engage totalement dans sa responsabilité et Mme Ribaud qui a ajouté qu'il souhaitait qu'en 2014, Mme Martin à la hauteur de sa tâche. Inutile d'ajouter qu'au Parlement, Mme Ribaud partira une seule occasion pour interpeller le ministre Martin devant sa responsabilité, devant son engagement. Et à chaque fois, nous finissons en train de dire « wait and see » d'ailleurs, qui fait ressortir dans ce discours budgétaire. Aujourd'hui, nous disons à Madame la Ministre, nous péguetons, nous ne pas attendre, nous pouvons tirer encore une fois la sonnette d'alarme devant le bilan troublant de violence qui nous fait constater en janvier et 10 février 2014. Nous finissons constater trois crimes en l'espace de 6 jours. Et hier aussi, nous constatons un crime en plein maillon, et il est choquant et traumatisant pour tout le monde. Et nous sommes capables de dire que c'est un scénario qui peut répéter. En 2012, le défi du publié qui en une semaine, c'est dans deux drames, Christian Moussa et Damina. Aujourd'hui, le 10 février 2014, nous venons mettre devant les autorités un combat sans relâche qui Mme Martin visait à mener. Et nous posons la question, nous, en tant que commission des femmes, la question sur la compétence de ce ministère. Nous aussi interrogeons le gouvernement, d'abord sur l'éthargie, exclure l'efficacité de la mesure qu'il prend en matière d'éliminer la violence dans le pays, qui touche beaucoup nous, madame. Hein, nous ne pouvons pas dire tous bien plus, nous, madame, vieux enfants et bonnes personnes en situation de handicap, surtout qui causent un traumatisme dans la famille, l'endroit et dans le pays en général. Sur ce, nous faisons une demande pressante au gouvernement de revoir l'application de l'ensemble des bonnes mesures, de sorte que le droit humain de tout un chacun soit respecté et leur dignité aussi. Nous demandons également à Mme la ministre Martin de montrer plus de compétences nécessaires et de la volonté d'appliquer une politique pour réduire la violence au pays. Merci. Merci beaucoup, Josique. Josique, cause le manque de la responsabilité ou de l'irresponsabilité plutôt de Mme Martin
la Commission des femmes, dans toute cette mouvance de cas de violence, il est choqué de l'unique déclaration de Mme Bautin dans le cadre de violence, et j'assume par sa parole à l'organe que la déclaration de Mme Bautin choque. Merci, Brigitte. Alors, vous pensez qu'il du tout nous inquiète, la Commission des femmes, à travers sa conférence de presse-là, exprime sur l'inquiétude par rapport à la recrudescence de la violence qui fait cause la mort de autant de femmes dans un civil d'État. D'abord, le nom des madames qui mettent la mort, et aussi la forme qui cette violence-là fait prendre. Une forme de plus en plus terrifiante et sanglante, comme a dit le président. Et comme réaction à ça, Madame la ministre, il paraît pas trop rien de. Non, rien à dire, sauf que n'est pas capable de poster en la police. Que sa femme ou bien que sa femme. Nous trouvons ce même propos-là un propos irresponsable. Irresponsable et dangereux. Est-ce que ça veut dire qu'un prédateur est capable d'agresser une femme qui peut la police à ce côté? Est-ce qu'il peut encourager sa qualité manœuvre? Au lieu de rassurer les femmes, lit Madame la ministre Perrin van Femme encore plus vulnérable. Bien sûr, nous connaissons qu'il n'est pas possible de poster pour mettre la police contre sa famille ou bien contre sa femme. Mais elle a d'autres moyens de prévention et de protection. Ça va à propos là, les propos de Madame la ministre lui montraient la légèreté avec laquelle la ministre traite sa sujet de violence à l'égard des femmes. Il finit tout le temps agir comme ça. Quand il pose question au Parlement, il répond avec une légèreté, avec une nonchalance. Lui montrer une totale irresponsabilité de la part de Madame la ministre. De tels propos, pas du tout rassurants pour les victimes de violences conjugales, en particulier pour les femmes. Et ce même propos-là démontrait la faillite totale du ministère par rapport à la protection des femmes. Nous demande la ministre présente excuse publique pour de tels propos et vienne avec une vraie politique de la protection des femmes contre la violence, comme Madame Rachel fait dire. Et donc là, nous terminons pour donner la parole à la présidente de la Commission des femmes du MNA. Alors, juste pour ajouter un petit mot à ce qu'Ariane nous dit concernant les prouesses de la ministre. Et il aussi a ajouté dans sa déclaration, c'est bêtis, pas fait passer dans le coup d'un coup, capable d'avoir une médiation ou soit divorcé. J'accorde à vous, Mme Bautin, combien de cellules de médiation il y en a au sein de son ministère? Quand sera la cellule là située? Qu'il est à tout ouvert, qu'il est à tout fermé. Est-ce qu'il y a une campagne d'information que tout le monde connaît quand il y a un problème, un groupe capable d'être sa cellule de médiation? Est-ce qu'au sein de son ministère, il y a un conseil familial, sérieux, professionnel, responsable, accessible, accueillant, pour qu'il se mette en difficulté là, capable d'aller là-bas, aller à un conseil, pour attendre une réponse par rapport à. À part le cas de violence qui nous gagnait cette semaine, dans les derniers jours, choquant aussi, c'est le nombre de cas de suicide. La Commission des femmes, déjà,
après conférence de presse. Déjà faire un document, il a déposé le ministre, le premier ministre, avec ma proposition PMCAU. Non, il n'y a pas faire. Et je vous passe la parole à Madame Lavelle. Merci, merci Lizzie. Au cours de ces premières semaines de l'année 2014, l'année qui a commencé, nous avons commencé une bonne année, mais c'était une très bonne année, en 2014, une bonne continuation de travail, parce que la société vise Mandolans. Nous visons Mandolans, nous passons l'information, nous sensibilisons, nous visons un la société vise un jour, et nous souhaitons une bonne continuation et bon courage dans votre travail. Au cours de sa première semaine, un petit pays comme la Suisse, nous gagnons plus qu'une demi-douzaine de Suisses. Plus qu'une demi-douzaine de Suisses. Et donc, il y a deux jeunes adolescents et il y a deux policières. Il y a une dans Estelle, une maigre, une dans le numéro 14. Moi, c'est une suicide en six semaines. Et quand nous connaissons un cas suicide, d'après Banditu, nous avons 10 tentatives. Si nous gagnons 7, c'est-à-dire nous gagnons à peu près 70 tentatives, qui fait nous au moins une moyenne de 2 tentatives de suicide par jour. À la situation immédiate. Alors, 2 tentatives de suicide par jour. Premièrement, la communauté des femmes nous présente une profonde sympathie à toute bonne famille qui perd un proche dans une situation aussi douloureuse. Quand, en juin 2012, presque 2 ans maintenant, la commission des femmes donne une conférence 6 sur le suicide par les jeunes, et nous y perdons aussi que le suicide par un adulte, le jeune adulte, lit aussi à l'homme. Quand nous y faisons cette conférence-là en 2012, l'objectif, c'était de tirer la sonnette d'alarme et aussi de faire une proposition concrète. Parce que très souvent, nous avons dit, mais les positions du BPR, madame, les positions de la consulte, discritiquer, ou pas discritiquer, parce qu'ils nous blessaient. Quand nous pays blessé, nous blesser, nous souffrir, quand nous voyons jeunes et donner de l'amour, quand nous voyons maman et pleurer des enfants à travers le suicide, nous souffrir. Et à la qui faire, nous t'y faire une proposition concrète. Nous t'y soumettre à peu près une douzaine de propositions. Entre autres, comme on disait, nous causer nos conférences de presse, nous faire nos recherches, nous faire proposition, nous typer, nous aller tout ministre dans le document, y compris le premier ministre. Nous dans l'opposition, nous avons envie de contribuer au bien-être de nos sociétés. Donc, et une proposition faire qui puisse dire, il est urgent mettre un comité interministériel pour prendre une décision politique. Donc, nous tirons le dossier tout à l'aise et nous constater avec beaucoup de regret que le cri du cœur de la commission des femmes du MNL sur le problème de suicide, il tombe dans un sourire mal soude. Nous étions bien prendre une décision politique et que ces messieurs, dames, les ministres, parlent de nous une réponse sarcastique. Désinvolte, comme la ministre Martin, comment Ariane y fait ressortir. Nous y disons en 2012 et nous réitérons encore en 2014. Le suicide est un problème de santé publique et le suicide d'un jeune lit un révélateur de dysfonctionnement social. Si vous occupez développement aux enfants, vous occupez bien-être, ou pas comme ça, prends un petit temps, avec un petit recherche,
à la gaieté qui vient faire à travers le monde. Pas besoin de votre là-haut. Et la demande qui vient faire ici, c'est là pour vous. Vous venez faire ici, vous connaissez comme ça. Donc, pour les affaires. Au cours de nos conférences de 2012, nous disciples un large extrait de ce livre. Quand un enfant se donne la mort par Boris Cyrulnik, c'est un rapport en forme de livre qui soumet au gouvernement français l'OPSA. Et là-dedans, il dit que qui rôle l'État et l'on peut jouer dans le cas de suicide. Et il fait plusieurs propositions. Ok, l'histoire est dans le livre. Et nous prenons les temps de lire, nous prenons les temps de faire recherche, et nous faisons résumer, nous donnons autre, nous donnons. Et ce qu'il nous dit en 2012, il plus que d'actualité sortie en 2014. Donc, nous lui disons encore une fois, voilà pour ce qu'il nous dit. L'État est notre rôle jeu. Nous ne pouvons pas dire à nous, mettez la police dans la case, ça dit nous qu'il y a un problème, mais il y a des affaires concrètes qu'il faut faire. Et ils ont dit aussi, nous n'avons pas de proposition encore. Nous voulons dire au gouvernement, est-ce qu'il y a annoncé, le premier ministre a annoncé, il y a une question parlementaire, qu'en 2006, le gouvernement élabore un plan d'action sur la prévention contre le suicide sous l'égide du ministère de la Sécurité sociale. Et donc, Paris Blanc, tient tout ce que nous avons fait, ce objectif, et nous dit aussi, voilà, un détail, un plan. Ils ont fait un monitoring, campagne, pour en forme d'immune, pour dire qu'ils travaillent, pour détecter un cas suicidaire, pour faire une provision au service, pour assister une famille et une femme proche qui peut faire face à ce problème-là. Création hotline à ces niveaux-là. Et nous, à la Commission des femmes, nous ne parlons pas de nous l'accoutons les faits et faire des propositions. Moi, je sais que plein de soir. Donc, on va dire, la chose, voilà. Personnellement, elle l'a voit endormir et pour nous rapprocher et les rapprocher. Si oui et non, elle fait hotline de souci. Quand elle dit, moi, appelez-nous les rapprocher. Prenez les affaires, qui vous vient d'expérimenter comme ça, ou rappelle le numéro, pas l'accord. Et ça, on peut faire hier soir vers minuit 30. Voilà le hotline concernant le suicide. Plusieurs, mais est-ce qu'il y a une autre association là qui est capable de téléphoner? C'est bien. Ce qui est une difficulté, on comprend. Donc, ce qui fait, ils ont dit, au moment qu'ils vont proposer aux autres, si un timon et non un tendance suicidaire, il peut déprimer, ou pas connaît qui côté il est capable d'appeler. Ben, si il en sens, toutefois, c'est un moment qu'il peut téléphoner à téléphone, mais au-delà de 24-7, il ne pas reconnaître si ou non un timon compétent pour répondre. Parce que si nous disons qu'il y a un hotline pour la prévention du suicide, nous disons un individu dynamique qui envoie le message, nous pas répondre. C'est ça le message qui s'envoie. Nous n'avons pas connu si énergie, nous n'avons aucune raison de dire qu'il y a. Et c'est très grave. Donc, et ça, de se dire que, voilà, en 2006, il a pensé. Et dans la réponse, il faut aussi dire que ce plan élaboré en 2006 est implémenté en. Il commençait en 2020. Réponse parlementaire. The implementation of the action plan on suicide is started in 2009. Je tourne la liste de la présence. Implémentation. Ok, prends gagné. Un plan, prends gagné. Mais nous fait dire aux autres, faire une évaluation rapide, si jamais tu as implémenté un plan d'action, faire une évaluation rapide de ce plan et révéler quel est le plan de stratégie pour la prévention du suicide.
Et ça aussi, qu'il y a des autres pays qui le font. L'Écosse, par exemple, fait publier ce plan en décembre, donc 2013-2016, c'est un plan qui étend sur plusieurs années avec un objectif spécifique. Et nous disons aussi que ce plan, à part une proposition qu'il nous fait l'année dernière, est capable d'inclure peut-être la considération d'une loi cadre, une loi qui parle d'une loi cadre sur la prévention du suicide. Exemple, le Canada. Le CAPA considère est-ce qu'il n'est pas bizarre de mettre sur pied un observatoire du suicide. La France, est-ce que donc l'exemple que le CAPA a adapté, c'est qui a été fait, qui était qui parti là-dedans, qui approprié pour le pays, donc une grande qui fait. Il y a aussi qui les blessent les gens, développent un programme pour nous montrer, nous, les enfants, nous, les jeunes, qui manière de gérer cette émotion. Gérer des émotions, cela s'apprend. On est capable de montrer des émotions. Quand on connaît qui nous offre, qui manière où gère une colère, qui manière où gère une tristesse, qui manière où gère une angoisse, qui manière où gère une inquiétude, cela s'apprend et nous sommes capables de montrer ça depuis le primaire. Parce qu'il est trop important. Et ça aussi, nous les Indiens, nous presque supplions ce gouvernement-là. Faire ça une fois. Nous protège nos enfants. Moi, très très, pas moi, tout le monde camarade, nous très triste quand ça garçon qui se suicide lui parce qu'il est passé dans l'école. Et personne n'a tout d'accord. Et heureusement, au plan 2006, that you want to train the stakeholders pour détecter le cas, au plan pas pour lancer, très clé, on n'est pas capable de faire des affaires comme ça. Donc, ces enfants-là, les parents, connaissent, parce qu'ils n'ont pas passé de temps à faire. L'école, personne n'a pas une trouver ça, c'est la porte des traces. Et un autre qui est suicidé à cause de résultat, et ce n'est pas le premier cas, vous autres. Comment dire, nous ne pouvons pas apprendre nos leçons. Ce qui peut passer, nous ne pouvons pas tirer une leçon et nous ne pouvons pas aller avec la mesure appropriée. Donc, nous trouvons ça, qu'il a un bizarre. Et concernant la gestion, parce que quand un cas suicide, nous ne trouvons plus qu'on a une gueule dedans. Et donc, pas fait capable. Zéro, ma déception. Est-ce qu'il a fait l'air pour nous promouvoir dans la mixité dans notre système éducatif? Pour être nos jeunes, apprendre vivre ensemble, apprendre grandir ensemble. Ils vont nous signaler qu'entre 2000 et 2005, nous commençons à faire aller. Très facilement. Ils ne peuvent pas nous dire, pas qu'il y a des histoires, dans l'école là, qui est bien lancée, dans les parents, bien contents de l'école là, et où est ce problème de cohabitation, parce qu'ils vont être avec grandir ensemble. Donc, est-ce qu'il va l'air pour nous promouvoir ça? Est-ce qu'il n'est pas capable, et il n'y a pas de mesure qui est capable de faire sans grand coup et rapidement? Est-ce qu'il n'est pas visé une campagne intensive et agressive, même je dirais, à la télévision, un spot tous les jours, pour aider nous à dire, j'ai assez d'émotions, respecter les autres, respecter le droit d'un enfant, que ce soit suicidé, quand il perd en puissance d'école, il peut y faire, et respecter la vie, elle nous dit. Donc, voilà, et nous nous disons qui, les nouvelles actions, gouvernement des décisions politiques, sans grand coup, autour de l'école, autour de la famille et au sein de la communauté. Voilà, donc la merci, donc, vous vous trouvez la commission des femmes, encore une fois, on va le faire depuis août 2010, vous étiez la semaine d'alors sur l'état social de notre pays, sur la violence grandissante de notre société. Vous avez une proposition qui nous dit faire en partie concernant la violence, nous préviendrons l'éducation de nos garçons dès leur plus jeune âge.
Le système d'éducation est une faille totale, non seulement sur le plan académique, mais surtout sur le plan de l'éducation elle-même, dans le sens large du mot. L'éducation civique est bien plus qu'urgent. Allons enseigner Van Gorson à travers un cours de civisme par le humaine, le respect de l'autre, le respect de la femme. Allons enseigner ceux qui la femme n'est pas la propriété de l'homme. Parce que vous trouvez dans beaucoup de cas là, il est l'inverse parce qu'il est comme là, menacite. J'ai là, j'ai étudié. Et qui dans le cas mésentente, femme là capable, qui saute. Allons enseigner Van Gorson comment gérer cette émotion. Allons enseigner ceux qui ont un problème, capable de gérer par le dialogue et pas seulement par les mots. Une série de propositions aussi concernant la violence, déjà périque, vous pouvez venir nous, ce que nous considérons plus important. Nous demandons plus de collaboration de la part de la police. Nous tenons à dire qu'il y a un cas de violence domestique qui a rapporté un poste de police. Malheureusement, il n'a pas que de refus pour déclaration, madame là. Il n'a pas que de pas prendre, ça va de madame là aussi. Elle. Nous avons réalisé qu'une madame file sous la case, parfois l'histoire, mais aussi elle a une poste de police pour la faire une déclaration, pour ne pas croire que c'est du qui est de cœur qui a préféré prendre sous la case. La police faisait réagir plus promptement, plus rapidement, dans le cas d'un rapport d'un cas de violence domestique. Et ça reprend le prétexte de Pénatranspo, Vanupala, mais ça reprend, la police ça reprend ça a été protégée. Parce qu'il est Transpo, Pala, Vanupala, ça va venir de madame Pévoa. Pénatranspo, c'est le service de la police qui nous demande. C'est quoi SP? Pas le service judiciaire, la santé, sécurité sociale. Ça va le service là, vous êtes plus accessible, vous êtes plus efficace, vous êtes pas victime de violence, capable à là-bas, vraiment à l'aise. Pas le service de conseil familial, sérieux et professionnel, vous avez cherché. Et c'est bien payant, qui va trouver en difficulté sans se à l'aise. Voilà. Nous déjà connaissons dans le passé une cellule d'aide psychologique pour les agresseurs. Parce que nous voyons qu'il y a une musique qui va sur madame, il vous a gagné l'aide, il vous a soigné. La loi envers un agresseur, nous demandons que ça soit la loi là, vous puissiez sévère. Nous connaissons. Vous direz, nous, ça, c'est pas la solution. Mais nous croyons que quand il y a un cadre général, la loi concernant les agresseurs est plus sévère. La loi plus sévère en elle-même n'est peut-être pas suffisante. Mais quand il y a un ensemble de mesures, nous croyons qu'il va poser. Un débat de madame qui est mort la semaine dernière, c'est un protection order. Et nous pas ce qu'il dit, il a nous fait un appel pressant à la tournée générale pour regretter le protection order. Regretter le protection order pour que les victimes soient vraiment protégées par sa protection order. Plus d'une fois, nous avons quand même madame qui il a pressé, qui mort alors que c'est là un protection order. Donc, je vous demande, la journée générale, faire de ça une urgence. Regrette protection order pour qu'il va madame là, vraiment protéger. Comme François vient de dire, même pour la violence, une campagne de sensibilisation dans les médias, radio, télévision, ou appel par Michel, par garçon, respecter madame là. Qui lui éduque par couple et fait comprendre que le dialogue est la solution. Pas des coups.
Et bien, l'étude récente a montré qu'il ban qui mieux habilité pour mettre fin ou diminuer des cas de violence à l'encontre de la femme ne sont nul autre que les hommes eux-mêmes. Ban Michela capable une ban modèle pour ban agresseur. Ce capable causé Michel. Vous connaissez Michela, il faut accepter mieux que c'est Michel comme a dit qu'il est une cause en vie qu'un petit mot. Qui va nous misser qu'aux autres camarades pour faire comprendre qu'il est sans vol là, tout besoin d'aide, tenir un petit problème. Accompagne-lui ce bizarre. Rodez que capable et dit accompagne-lui, suive-lui, va l'envie tout seul. Parce qu'il voit qu'il te besoin d'aide. Organise une association, vous connaissez la haine qui est parfait. Organise une association d'hommes qui militent contre la violence à l'égard de la femme. Et qui sera l'association là? Qui sera Michel là, tout même? Ce père, ce camarade Michel, comprend qu'il a la solidarité entre eux, entre Michel, il a une limite. Et qui jamais, au grand jamais, ce type bizarre cautionne un acte de violence à l'encontre de la femme. Capable de la solidarité? Mais solidarité, il a une limite. Au bout du fil, vous êtes protégé. En guise de conclusion, nous voulons dire qu'il est capable de juger un pays de la manière dont il traite et dont il protège soit madame et soit les enfants. À nous faire la guerre à la violence et à nous faire de façon à ce qu'il eût tout. C'est qui est madame, monsieur, écolier, association, gouvernement, opposition, tout. Sentis-nous concernés par ce fléau de violence à l'encontre de la femme pour qu'il n'ait pas besoin honter, pour qu'il n'ait pas besoin bouger de notre pays, de la manière dont madame peut traiter dans le pays. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Encore une fois, nous pouvons faire une proposition sérieuse. Et parce que nous tendez, c'est trop facile, vous direz, quand même à la position là, pour ça, nous avons un cas violent, mais nous, depuis 2010, nous pouvons venir comme ça. Depuis 2010, nous pouvons venir, nous pouvons faire une position de mort, c'est dans les féministes, nous faire conférence de presse. Alors, c'est là, la association pour pouvoir dire, merci, va faire l'année, c'est bien la commission des femmes du RMM. C'est la question, vous avez fait une révolte. Oui. Pourquoi c'est maintenant sous la commission des femmes qu'elle dénonce la violence envers les femmes? Alors, comment vous dire, vous pouvez dénoncer depuis 2010, vous nous dénoncez depuis 2011, vous nous dénoncez depuis 2012. Dans 4 parlementaires, vous allez vous questionner dans le parlement non-stop, si vous faites Amazon. C'est pas moi qui connais ce qu'il fait là, je ne fais pas la semaine dernière. Mais la semaine dernière, vous connaissez explose avec tout ça là. Nous l'avons devant aujourd'hui. Voilà. Mais il y a une longue histoire de lutte contre la violence. 2010, nous pouvons même. Et nous dire avant 2010, madame Christophe, non, avant 2010, nous pouvons même, nous la violence. Je pensais que dans ce cas de fait divers là, c'est vraiment gérer les émotions. Parce que c'est un peu le mot qui me touche moi, c'est gérer l'émotion. C'est tout bon garçon, on va voir qui fait bon garçon aussi, puis des bonnes filles aussi bien apprendre d'autres, j'ai bonnes émotions. Tu fais bien gérer les émotions parce que nous trouvons une caisse, le concubin, le mari, à nous réconcilier, et après réconciliation, madame, j'ai donné mon petit bruit dans l'endroit, mais il y a des coups tout au niveau. Moi, c'est qui me choque, moi, on est les autres, c'est qui me choque, moi, dans tous les cas, de meurtre qui est là, là, 4-5 cas là, c'est toujours. Ah, dans son âme, j'ai la main acceptée, qui c'est madame, et qui dit, qui j'ai dit, il a plein d'autres, tous les cas. Donc, c'est une espèce de jalousie, une espèce de non-acceptation d'être rejeté, et nous le voyons avec ça. Tout ça craint, non, mal, le gars fait mal. C'est bizarre, j'ai la émotion de colère, de tristesse, on a pensé à dire. Donc, c'est pour ça qu'ils nous mettent en face, voilà. Avant tout le dialogue, et gère, vous êtes capable de tout connaître, vous êtes capable d'indiquer les jalousies, mais c'est bon, vous apprenez,
personne, j'ai une colère. Là, vous faites une colère, vous frappez tout le micro, vous passez, vous frappez tout le bâtiment. Après, vous dites, vous êtes en colère. Donc, moi, c'est mon réaction, ça me choque, moi. Et le point commun dans tout ce cas-là, c'est le non, le refus d'être rejeté. Et le refus qui femme là, ça va pour quelqu'un d'autre, c'est ça que vous dire. C'est avec raison de dire. La gestion des émotions, c'est bien cisé qui devient de plus en plus très populaire et très important parce que nous réalisons que dit quand vous êtes sacré, donc vous êtes un décès, donc vous êtes une grande souffrance, ça capable pousse au suicide parce que vous n'êtes pas capable. Contrôle, c'est ça, ça fait là. Mais pour gérer les émotions, vivre avec ce qui vous fait sentir. Et ça, et l'ego est capable de créer des enfants petits. Montrez-les, toi, colère, comment une phrase en français qui nous vient autant, comment mettre des mots, un mot S, sur des mots, un mot S. Apprendre à mettre des mots sur des mots, quand quelque chose peut dire en soi, au lieu de me donner un coup, pour exprimer ce qui me ressentit, pour libérer moi de sa souffrance-là. Apprendre à le gérer, donc, à communiquer. Donc, c'est ça, la gestion des émotions. C'est un affaire qui est capable de montrer. Et, parce que si vous passez une émotion, vous n'êtes même pas capable de communiquer bien. Parce que quand on connaît, on n'est pas capable de dire sa colère-là, on n'est pas capable de poser. Poser là, il faut poser, on va le faire, Donc, quand on va prendre cher ou impulsivité, cher ou colère, à ce moment-là, on va communiquer. Donc, voilà qui va nous dire qu'il est grand temps pour prendre ça au sérieux, pour aider dans la violence. Et quand, parce que le suicide, c'est une forme de violence vis-à-vis de soi-même. Donc, d'une manière, la gestion des émotions lui amène à atténuer la violence. D'une question, on fait un appel à l'association féminine, mais pas tant de causer, puis la manifestation, puis la non. Puis non, même une ONG qui est une bonne femme, une madame, mais pas tant de choses. Nous, dans notre ONG, nous sommes présents, je dirais, avant, vous voyez, pour marcher en nous-mêmes, rien, nous féminines. Pour le respect de la femme, le droit, l'orientation du ministre de la femme, etc. Et nous devons continuer. Et là, ben, parce que plus récent, depuis 2010, nous devons minimiser, mais malheureusement, nous devons gagner qui peut avancer. Nous devons parler de nous, nous devons minimiser. Ok? Merci beaucoup. 100% libre, vivez les grands faits de l'actualité mauricienne avec du son, de la vidéo et de la photo. L'info qu'il vous faut de l'île Maurice, c'est www.maurice-info.mu.